Aujourd'hui, c'est l'AgriParty. L'AgriParty, c'est un événement qui veut rassembler les agriculteurs et le grand public. On s'est dit une chose toute simple, ouvrons les fermes et faisons venir le public le temps d'un moment de convivialité. Ce sera l'occasion aussi de visiter la ferme, de voir et de constater comment les agriculteurs travaillent. On a une fine couche de sable et on a une lame qui passe dans le sable et qui va couper la mâche, quoi. On est heureux de les accueillir sur une exploitation agricole, en l'occurrence chez Patrick Briand, qui est un producteur de salades qui fournit Bonduel. Sur cette parcelle, on peut voir plusieurs espèces de salades. Vous avez de la feuille de chêne rouge là-bas, de la batavia, et ici on est sur une gamme plutôt multifeuille. On a un peu l'occasion d'expliquer le métier des producteurs, comment la salade est produite. C'est important pour nous de réexpliquer cela aux consommateurs pour qu'ils comprennent que les choses se font de manière naturelle, même si derrière ils achètent un produit élaboré, prêt à consommer. Je pense qu'aujourd'hui les consommateurs veulent se sentir rassurés par rapport à leurs achats de légumes. Et pour moi, ce lien, ça permet aussi de mieux comprendre leurs attentes. Il y a eu plusieurs ateliers. Le premier, c'était l'atelier cuisine. C'est l'atelier qui a eu le plus de succès. En plus, les grands ont pu participer aussi à l'élaboration de recettes qu'on a dégustées tous ensemble. On est généreux, on met de la couleur, on met de la saveur, on met de la candeur. Je vais les manger. Ça se présente par étapes. Ensuite, il y a eu un atelier peinture qui était aussi très chouette avec un peintre qui avait préparé des petites planches de légumes. Il y avait également un atelier photo pour que les gens puissent se faire prendre en photo dans des tracteurs avec des photos Polaroid anciennes en couleur sur le super tracteur John Deere moderne. Il y a eu un atelier également de plantation de graines. Chacun a pu repartir du coup avec son petit pot de graines. Un quiz aussi pour clôturer tout ça. C'était très réussi parce qu'effectivement, les gens sont repartis très contents de leur expérience. L'intérêt qu'ils ont porté sur la production, ça m'a permis pour moi de trouver que mon métier, c'était un beau métier, qui est valorisant. Pour moi, c'était vraiment génial de voir tous ces gens motivés à m'écouter et à partager notre métier. Notre espoir le plus fort, c'est que demain, il y ait des agriparties partout dans toute la France et que le grand public aille à la rencontre des agriculteurs pour qu'on modifie en fait l'image des agriculteurs en France.